Mort d'une nation, le nombre de décès par overdose de médicaments aux États-Unis a atteint le chiffre record de 72 000 l'an dernier. Donc médicaments et médicaments qui entraînent une forte dépendance puisque ce sont des drogues. Les centres pour le contrôle et la prévention des maladies estiment que le nombre de décès par overdose de médicaments sur la base d'un flux actuel de données sur la mortalité provenant du National Vital Statistics System vient d'atteindre un record de 71 568 Américains en 2017. Il s'agit d'une hausse conséquente du nombre de décès par overdose par rapport à 2016 et qui représente une détérioration rapide du noyau dur de l'Amérique, la classe moyenne. Alors aux États-Unis, c'est comme ça qu'on détruit la classe moyenne. Ce sont peut-être les stratagèmes de l'élite. Plus de 40 000 Américains sont morts d'overdose liées aux opioïdes l'année dernière et environ 30 000 personnes sont mortes d'overdose d'opioïdes synthétiques. Ce sont des drogues, comme le fentanyl, tristement connu sur les réseaux sociaux, dans les mini-reportages et les témoignages, a déclaré The Hill. Les décès par overdose impliquant des opioïdes synthétiques ont fortement augmenté à partir de 2016, tandis que les décès dus à l'héroïne, aux opioïdes sur ordonnance et à la méthadone ont chuté. Donc il y a moins de responsabilité directe des médecins qui prescrivent certaines substances. Le mois dernier, dans un rapport hebdomadaire spécial sur la mortalité et la morbidité, nous avions expliqué « Nous entrons dans la troisième vague de l'épidémie d'opioïdes. La dernière augmentation du nombre de décès est imputable aux nouvelles substances synthétiques, analogues au fentanyl, 10 000 fois plus puissantes que la morphine et utilisées pour calmer les éléphants. » Donc là, il y a une vidéo qui montre les effets dévastateurs du fentanyl sur l'être humain. Pour le contexte, les overdoses de drogue ont tué plus d'Américains l'an dernier que pendant la guerre du Vietnam. Victimes, donc 58 000 victimes pendant la guerre du Vietnam, alors que là, à cause de cette drogue, en une seule année, 72 000 victimes. Les overdoses ont dépassé les décès dus au suicide, à la grippe et à la pneumonie, qui ont fait encore 44 000 et 57 000 morts, respectivement, en 2016. Les overdoses de médicaments ont presque rivalisé avec les 79 500 personnes qui meurent du diabète chaque année aux États-Unis. Donc c'est énorme là-bas, ils meurent à cause du sucre. Septième plus importante cause de décès. Donc c'est, malgré tout, c'est derrière le nombre de tués américaines et évidemment le nombre de tués par arme à feu aux États-Unis. A plus.